Coucou, on est samedi soir. Je rigole parce que j'étais en train de calculer combien de couches sur moi j'avais. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je suis gelée. Et j'ai mis le soufflant et je suis gelée. Même en haut, qu'on a le poêle, et ben j'ai froid. Je suis gelée, je suis, mais gelée. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? On a été faire du vélo. Non, mais. Je dis, les gars, ça caille, quoi. Il faisait moins 2, je crois. Non, mais je dis, vous voulez que votre mère gèle sur place? Ça soit un garçon? Ils m'ont dit, mais non. Bon, moi, je dis, en même temps, il y a du soleil. Ça va peut-être nous faire du bien. Donc on était faire du vélo sans midi. Oh! J'avais mon manteau de ski. Les moufles. Le bonnet. Et on a fait le tour du village. Non mais on a vu. Si on a vu une personne. On a vu quelqu'un dans le village. Il a dit, ah mais vous êtes courageux! Ah bah oui, on est courageux! Les seuls fous qui sont dans le village, c'est nous! Et qui se promènent à vélo, c'est nous! Ah mon Dieu. Mais bon, les gars, ils étaient contents. On a gelé, mais ils étaient contents. Après, on est rentré, on a bu un cacao, du coup. Bah, on a thé, mais voilà. Puis après, on s'est réchauffé, on est retourné dehors faire les. On a été curer les poules. Voilà. Donc, voilà, notre journée. Et puis, j'ai aspiré mon atelier parce qu'il y en avait, mais partout, 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 partout. Parce que j'ai foutu dans l'atelier et du coup il y en a un qui m'a laissé ça. Ah. Timothée, celui qui a 6 ans, et il a fait des points et il les a reliés. Il a dit, maman, tu le gardes sur ta table. D'accord, j'ai pas assez de trucs sur la table. Pas de problème mon chéri, maman elle garde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je garde, je vais essayer de le mettre un peu dans un coin quand même parce que là j'ai plus de place. Il faut que je range ma table et puis il faut que je fasse quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pris les photos de mes bijoux. Donc normalement, vous les aurez cette semaine. Donc je pense que vous les aurez vus. J'espère qu'ils seront en vente. Allez voir sur ma boutique et allez voir sur mon Instagram. Je me dis qu'il faut que je prenne quand même plus de résolution. Il faut que je sois plus présente sur Instagram. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas à publier tous les jours. J'y arrive pas à me dire qu'il faut que je publie tous les jours. Qu'il faut que je publie tous les jours. J'y arrive pas. Je suis pas bon. Il faut vraiment que je m'y mette. Hein, parce que si je veux aller plus loin dans ce que je veux faire. Il faut vraiment que je me mette à me vendre, quoi. C'est ça. Mon problème, c'est que j'arrive pas à me vendre. Voilà. J'ai préparé une petite commande. Voilà, voilà. Cet après-midi. Voilà. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai sorti la robe évasion, parce qu'il y a un... comment, un challenge couture sur en collaboration avec les bobines patterns Zia et puis Virginie. Je l'ai sorti parce que je l'avais, le patron, je l'avais, donc je l'ai sorti. J'ai sorti, j'ai regardé les tissus que je pouvais faire avec. Il y en a une de vous qui m'a dit en commentaire que je pouvais peut-être prendre le. Mes tissus fleuris que j'ai acheté chez Dresden Stuffen. Je sais pas. Est-ce que tout fleurit? Mais j'aimerais bien faire une robe. Une robe chemise. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je l'avais déjà réalisé, je crois. Ouais, j'ai déjà réalisé, mais en fait, j'y suis. Ça m'allait pas. Donc il faut que je revoie ça. Parce qu'elle était trop grande. Il faut que je revoie tout ça. Que je reprenne mon carnet et que je regarde ce que j'avais dit par rapport à ça.
Du coup, je regarde mes podcasts. Mais je sais plus dans lesquels j'en ai parlé. Voilà. Sinon, bon, bah, le challenge culotte, trop tard finish. Voilà. Celui-là, je me dis qu'il y a un mois. Donc, c'est peut-être jouable. Mais la culotte Paola, bah, Léonie, je veux dire Paola, n'importe quoi. Léonie. Bon, ben, donc celle-là, ça n'allait pas. J'ai demandé à ma mère si ça lui allait. Ben non plus. Pourtant, elle, ma mère, elle est fluette, hein, elle est maigre. Mais non, ça va pas non plus. Bref, donc bon, bah tant pis, je pense que je vais faire avec. Et puis là, j'en ai commencé une autre. Bon, là, vous voyez de dos, hein. Mais sinon, ça va donner ça. J'ai quand même encore remis mes petits passepoils là. Voilà. Mais bon. Ça, hein, j'ai pas fini. Faut que je la finisse quand même. Faut que je la finisse. Ah oh! Donc voilà. Et puis voilà quoi. Voilà quoi. J'ai sorti ma jupe. Ma jupe. Comment? C'était quoi? Modes et travaux de 1900, je ne sais plus combien. Je ne sais plus quelle année c'était. Je ne sais même plus quelle année c'était. Vous savez, c'est du papier comme ça, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, du papier, je ne sais plus quoi. Bon, bah, je sais plus. J'avais tout refait, j'avais tout repatronné. Bon, bref. Bon, attention. Vous voulez que je vous montre mes dessous? Attention, vous êtes prêts? Et youhou! Bon, et ben, j'ai cousu ma petite culotte. Ça y est, et je rentre dedans. Vous aurez vu le petit bout de vidéo juste avant. Je vous montre la culotte portée. Oui, bon, je vous en demande pas trop non plus. Hein. J'ai un collant. Alors, attention, ceux qui sont affriolants de tout ça. Non, mais j'ai un collant. Hein, n'allez pas non plus. Je vais quand même pas vous montrer ma petite culotte comme ça. Hein. Bon, voilà. Ma petite culotte. Alors, elle n'est pas très sexy. Mais bon, c'était déjà pour valider la taille. Donc, effectivement, la taille au-dessus. Alors, non. Non, non. J'ai pris la même taille. J'ai pris 44. Mais j'ai un taux d'élasticité beaucoup plus important. Voilà. Donc là, j'ai... Ouais. J'ai 50% d'élasticité. Donc, voilà. Je pense que la taille est bonne. Mais le taux d'élasticité n'était pas bon. Donc, si je veux prendre la même... que... Elle est où? Je l'ai balancé d'ailleurs. Ça m'a saoulé. Dans ce tissu-là. C'est vrai que c'est un peu plus sexy quand même. Hein? Quoique, j'en sais rien. et ben là, par contre, il faut acheter un taille au-dessus parce que le taux d'élasticité, il n'est pas terrible. Mais pour un taux d'élasticité à 50%, en taille 44, nickel. Même voir une taille en dessous, ça aurait été mieux. Voilà. Bon, les finitions sont pas super, mais avec ma nouvelle machine, nickel, nickel, nickel. Là, j'ai bien suivi. Hop. Voilà. J'ai pris donc j'ai surjeté puis après j'ai piqué. J'ai pris de l'élastique de Mercerie Extra. Voilà. Ça, c'était des chutes de tissu qu'il y a fort longtemps. Au début, que je cousais en fait. J'avais fait une chemise de nuit là-dedans. Voilà. Voilà. Ça, c'est un bout de jersey de Dries Van Stoffen. Voilà. Et ça, c'est du passepoil que j'avais acheté sur une brocante. J'avais acheté un sac, mais comme ça, mais tout était enfoui dedans. J'en ai, je pense, pour des millénaires. J'avais acheté ça 2 balles.
Les brocantes, c'est quand ça revient les brocantes. Moi j'aime ça les brocantes. Je trouve toujours des pépites. Oh non mais c'est dingue, je trouve toujours les pépites. Alors je fouine pas dans les trucs vintage et puis déco et tout ça, parce que moi je suis pas très déco. Mais je trouve toujours voilà, de la mercerie, je trouve toujours des habits pour mes enfants, des trucs nickel chrome que j'arrive à choper à pas cher. Donc voilà. C'est quand ça revient tout ça? C'est quand? Il en a marre. Voilà. Bon bah j'ai cousu une culotte. Ce soir. J'ai cousu une culotte. J'ai cousu une culotte. Et je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. On est lundi, premier jour de mes vacances, premier jour de mes vacances, youhou! Je suis en forme. Et j'ai même sorti le pull de Noël. Oui, bon, c'est un pull, hein? C'est pas spécial Noël. Il y a des flocons, il caille, donc c'est quand même, je pense, le moment qu'il faut le mettre. Et je suis gelée. Même à côté du poêle, j'ai pas chaud. Donc, j'ai sorti le pull. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier. Donc, hier, on était se promener avec les gars. Voilà, les enfants. Ils sont excités. Et puis, hier matin, donc, je ne sais pas, j'ai allumé l'ordinateur et tout, je traficote je ne sais pas quoi sur Internet. Et puis, j'ai le moteur de recherche Firefox. Ça doit être ça, oui. Et il me dit une alerte comme quoi pour booster, parce que c'est ralenti, je ne sais pas quoi, bref. Pour booster, restaurer le machin, tout. Bon, bah, je dis, bah, je vais restaurer puisque c'est vrai que ça rame, donc je vais restaurer. Oui, j'ai restauré. Sauf que ça m'a tout remis à zéro. Firefox. Donc je n'avais plus de favoris, plus rien. Toute ma liste de favoris, vous savez. Mais vous avez tous une liste de favoris quand même. Je suis pas toute seule. Vous savez, la CAF, Instagram, YouTube, moi, mon entreprise. Voilà, c'est plus facile. On clique dessus, hop, on y va. Et puis tous les codes étaient rentrés, tous les codes étaient. Toutes mes mots de passe étaient inscrits. Tout, 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 tout. J'ai tout perdu. Et ça s'est remis en anglais. Voilà, tout en anglais, j'arrive pas à remettre en français. Bref, ça m'a gonflé. Donc hier soir, j'ai passé ma soirée à essayer de tout refaire. Sauf que bon, Firefox, oui c'est ça, Firefox, c'est ça. Du coup, j'ai laissé tomber. Moteur de recherche, j'ai pris ce que j'avais avant, Microsoft Edge, c'est ça. Alors moi et l'informatique, je me débrouillais. Voilà, je me démerdouille, mais voilà, il y a des trucs que franchement ça me prend la tête. Et là, ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. J'étais énervée. Bon, je me suis dit tant pis. Si ça s'est passé, c'est pas non plus. Il n'y a pas une mort d'homme, c'est pas grave. Tant pis. Tous tes codes, tu les as notés, donc tu vas recommencer. Perte de temps, bonjour. Voilà comment perdre son temps. J'adore. Donc j'ai fini à point d'heure. Voilà. J'ai fini très tard. Mais j'y suis arrivée. Et puis j'ai tout remis sur Edge. C'est ça, Microsoft Edge. Et là, je me suis tout écrit, mes favoris que je. Voilà. J'ai tout réécrit. Voilà. Le papier, il n'y a rien. Y a que ça de vrai quand même. Hein. Parce que là. Je vais me refaire un café. Parce que je. Hein? Voilà. Voilà. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec les gars? Ouh, il y a du soleil. Ouh, il y a du soleil. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gars, on va faire quoi? Ils sont où les gars? Les gars? Le chef, c'est ça. Ton frère. Je m'en fais, moi, des chefs. biscuits. Ouais, je prends le biscuit. Tiens, allez, un café au biscuit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se promener en vélo. En vélo. Non mais ça caille. Hein. Ouais, pas grave, ben oui, maman va être congelée sur place. Bah sinon,
Mais sinon, toi, tu les vois à pied? Tu joues cours derrière? Non. Ah. Non, vous voulez pas qu'on marche? Non. Non. C'est nul de marcher. Oh, hé, dis donc. Oh, c'est pas nul de marcher. C'est du bien de marcher. Non. Mais moi, il préfère faire du vélo. Mais j'ai froid en vélo, je suis congelée. Arrête de sauter partout, Zébulon. Arrête, Zébule. Bon allez, je vous dirai ce que j'ai fait si j'ai survécu au froid. Eh ben on est parti se promener à pied pour ma part et à vélo pour eux. Regardez, ça c'est ce qu'il y a dans notre village. Regardez, il n'y a rien. On est seul. Voilà, on va faire une petite balade. Bon, il fait bon. Bon, il fait un petit peu de vent, mais il fait bon. Donc, on va faire une bonne balade. On va faire tout le tour. Alors, ça s'appelle la champagne chez nous. On appelle ça la champagne. Parce que c'est, on est entouré de champs. Donc, on va faire tout le tour de la champagne. Voilà. Allez, go. C'est parti. Bon, je vous montre mon atelier. Qui est loin, loin d'être fini. Hein. C'est les chiens. Donc, ça c'est la partie de mon mari. Et ça, les deux fenêtres plus la porte-fenêtre, c'est ma partie. Donc, je vous emmène avec moi à l'intérieur. Alors, c'est les travaux. Hein, voilà, tout est en friche pour l'instant. Mais là, il faut imaginer des cailloux. Voilà, des petits cailloux qu'on a commencé à avoir. Donc, les petits cailloux. On va mettre partout, voilà. Et donc là, j'ai mis les rideaux, hein, c'est parce que nous avions un petit pigeon qui avait décidé de gratter mes fenêtres, voilà, parce qu'il se voyait dedans et du coup il se tapait dedans, et il se regardait, donc il croyait qu'il y avait une amoureuse. Donc il tapait dedans et mes vitres étaient dans un état. Donc j'ai mis des rideaux et ça a fonctionné. Il est parti voir ailleurs. Voilà. Donc, attention. Vous êtes prête et prêt. Alors là, c'est le bazar. Voilà. Donc là, il y a la clôture à poules. Hein, c'est pas fini, l'électricité. Comme vous pouvez constater, c'est pas fini. Bon, ça va être enlevé. Ou customiser, je ne sais pas. L'idée est là, mais je ne sais pas. Ça, c'est mon ancienne machine. Là, j'ai commencé à le retaper, mais il faut que je recommence parce que il était sous l'hangar et voilà. Donc voilà ma pièce. Donc là, c'est incliné. Là-bas, c'est plus petit. Et donc là, voilà, c'est plus grand, plus haut, on va dire. Alors, ce côté-là est fini, à peu près. Il est papieté, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Il est papieté. Voilà. Donc, j'ai fait un seul pan, déjà. J'ai fait qu'un seul pan. Il faut que je finisse ce côté-là, ce côté-ci, voilà. Et ben, puis de ce côté-là. Bon, ça, c'est la partie de mon mari avec son spa. Voilà, voilà. Lui, c'est fini. Sa partie est finie. On m'a donner ceci que j'ai pas fini de monter, donc là je vais finir de monter ça. C'est un parvent qui va venir la cacher le côté de mon mari comme ça, voilà. Et donc il y a le sol à finir qui sera en dalle de lino, voilà. Donc j'ai encore toute cette partie là à finir. Ah bah oui, les tels d'araignées, bah oui, en même temps ça n'a pas été rouvert depuis l'automne. Donc, oh, voilà. J'ai pas rouvert depuis l'automne. Depuis l'août ? Non, depuis septembre, ouais. Que j'ai pas remis les pieds. Voilà. Donc là, j'ai tout ça à finir. Et donc, j'ai toute cette grandeur-là. Alors, ça paraît petit, mais franchement, c'est quand même grand. Voilà. Là, dans le fond, il faudrait imaginer. Donc là, vous voyez les prises. Là, il y aura une table. Donc, il fait à peu près 3 mètres. Et je peux mettre 3 machines. Là, il faut imaginer. Voilà, il est installé, pardon. Il faudra imaginer une table. Donc, de coupe. J'ai dans l'idée de mettre une
stable, mais qui peut se surélever. Il faut que je demande ça à mon père, qui peut me faire ça. Donc voilà, là, il y aura une grande table. Voilà. Et puis, donc là, mon meuble qui est là, va aller là. Voilà, ça rentre. Et puis, ben ici, il y aura donc soit ça, soit une étagère, après pour stocker ce que j'ai besoin. Et puis, je vais squatter aussi de l'autre côté de mon mari. Là aussi, il y aura une étagère pour mettre ce que j'ai besoin de stocker. Mon futur. Le stockage. Voilà. Alors, ça sera mon atelier créatif, ouais, où je vais donner des cours. Et puis, ça sera mon futur stock de ce que je veux faire. Stockage. Voilà, donc j'ai encore un peu de boulot, hein, mais vraiment beaucoup de boulot. Hein. Mon Dieu. Et ouais, j'ai tout laissé à l'abandon depuis l'automne, j'ai tout laissé à l'abandon. Ouais, c'est pas fini tout ça. Encore du boulot. Mais bon, que vous auriez vu ce que c'était au départ. C'est dommage, j'ai pas filmé le départ, mais c'est vrai que il y avait rien en fait. Là, on a refait une dalle en béton. Les murs, en fait, c'était du préfabriqué, donc c'était des dalles de béton empilées. Voilà. Et avant ici, en fait, avant qu'on achète, ils mettaient des poules. Donc c'était un poulailler. Donc là, il y avait des trous partout, là, pour que les poules rentrent. Et là, c'était le poulailler. Voilà. Alors, vous voyez, déjà, il y avait des poules sur ce terrain. Donc là, voilà, il y avait plein de trous ici, et les poules rentraient. Et de l'autre côté, c'était le côté où ils mettaient la lumière pour les poussins. Voilà, il y avait une porte là, qu'on a enlevée. Mais on ne peut pas enlever ce bout de ferraille qui est là, parce que c'est ça qui scelle la partie. Donc en fait, je ne peux pas enlever. Voilà. Mais ouais, de l'autre côté, c'était où qu'il y avait les poussins. Voilà. Donc voilà. Il y a eu du boulot de fait. On a eu isolé, on a mis du placo. On a isolé par l'extérieur. Donc on a mis aussi l'isolation donc par l'extérieur avec les planches. Voilà. De bois. Attendez, je vous remonte dehors. Hop. Voilà. On a tout remis en bois dehors et en dessous c'est isolé. Voilà, on a changé les fenêtres parce que les fenêtres n'étaient pas comme ça du tout. C'était pourri, j'ai pourri. Voilà, les fenêtres d'ailleurs, il n'y avait plus de fenêtres, c'était des trous. On avait mis des planches pour pas que il y ait trop de côté comme ça. Ce côté-là, on l'a pas fait. Donc c'était voilà, du béton. Il n'y a que ce côté-là qu'on n'a pas fait. Qu'il faudra qu'on fasse, mais bon, ce côté-là, c'est moins au vent et c'est moins à l'appui, c'est moins voilà. Et sinon, tous les autres côtés sont isolés par l'extérieur. On a changé aussi le toit parce que c'était des trucs pas très aux normes. Donc, on a fait changer le toit. Voilà, j'ai quand même investi des choses dedans. Mais c'est vrai que depuis l'automne, là, j'ai arrêté parce que... Voilà, j'ai arrêté depuis l'automne parce qu'avec cette pandémie et puis arrivé l'hiver, j'avais plus envie d'aller dans... Voilà, d'aller faire des travaux. Parce que ben aller dans le froid déjà ça me plaisait pas trop. Et puis voilà. La vie fait que on n'a plus envie. Mais là j'ai envie et j'ai d'autres motivations et j'ai d'autres envies. Et puis j'ai la niaque. Voilà. Ça l'est revenu. Donc j'ai envie de continuer. Et je me dis que je suis presque fini. J'ai plus qu'à papieter et à faire le sol. Et le gros est fini. Donc franchement, j'ai plus grand chose à faire. Donc je vais me mettre un gros coup de pied dans les fesses. Et puis je vais y aller. Et pam, allez, au boulot. Et si vous avez des idées de ce que je pourrais en faire et en le détourner, cette chose, c'était pour mettre les tissus de les fils de broderie de DMC, voilà. Donc je voudrais voilà garder pour potentiellement ma future activité. Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneuse hein, parce que j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 comme ça. Donc je vais peut-être pas tout utiliser pour ce que je veux faire.
Donc si vous avez d'autres idées, ben je suis preneuse. Voilà. Donc là voilà, c'est pas bien. Bon, faut que je m'y mette. Non mais c'est bon là, le soleil va revenir. Je me dis que allez hop, je vais m'y mettre le week-end. J'ai plus grand chose à faire alors. Voilà. Allez, à bientôt. Matin à un marché et un marché à 1h15 de chez nous. Voilà, donc ça s'appelle le marché de Sancoin. C'est un grand marché, voilà, où il y a donc plein de babioles, voilà, et il y a un côté où il y a des poules, des animaux. Et nous, on a et qu'a-t-on acheté? Des poules. Des poules. 10 voilà. Poules. 10 poules on a acheté. Pour 40 poules. Non, pas pour 40 poules. Ah, on aura... Si, on aura... 45. On aura 40 poules. Parce que j'en ai perdu cet hiver. 2. Non, j'en ai perdu plus que ça. Non, j'en ai perdu 4. 4. Ouais, donc ça m'en fera, donc... Je ne sais plus. 4 moins... Je ne sais plus tout ça, mais bon, bref. On a... Voilà. On a acheté 10 poules. Alors là, c'est pas des poules de réforme, c'est pas des vieilles poules, c'est des jeunes poules, ils ont 6 mois. Et on a acheté des tissus aussi. Attends, je voulais pas leur dire tout de suite. Bon, bah tant pis, il a spoilé. Donc, et j'ai trouvé du tissu. Voilà. Alors le mec, il me dit, c'est 100% coton. Mon petit monsieur, comment vous dire que je connais le tissu? Ceci n'est pas 100% coton. Non, mais je dis non, c'est pas 100% coton. Je lui dis non, c'est coton polyester, votre truc. Je dis c'est pas 100% coton. Mais bon, voilà, c'est hein, ils arnaquent un peu. Oui. Et mais non, mais ça se voit, hein, c'est plastifié à l'intérieur. Oui, tu peux manger ton croissant. Hein. C'est un peu plastifié à l'intérieur, on va dire, donc c'est polyester. C'est aspect coton, mais c'est polyester. Voilà, mais j'ai trouvé cool. Et puis c'était 8 euros le rouleau et j'ai 1 mètre par 160. Voilà, donc voilà, je trouvais cool. T'as spoilé, je voulais dire ça plus tard, mais tant pis. Donc voilà, on a été faire un petit tour. Donc maintenant, on va rentrer. Il avec est 11 les heures. Poules. Avec les poules, nous allons les mettre en quarantaine. Quarantaine. Ça veut dire qu'on va les mettre dans l'autre poulailler. Parce qu'on en a deux. Voilà, parce que je ne les mets pas tout de suite ensemble. Parce que sinon, ça se bat. Voilà, donc il faut que je les habitue à côté, à peu près. Voilà, ils sont à côté. Et qu'ils s'habituent à se côtoyer, mais qu'il y ait un grillage entre eux. Donc en fait, on a des chiens qui gueulent toute la matinée. Ouais, mais ça c'est les chiens, mais c'est voilà. Ouais, mais par contre, ils sont nouvelles, mais c'est pas grave. Ça. Ouais, mais par contre, vers la niche, à mascotte, il faudrait bloquer la porte. Ouais. Ah oui, comme ça, ils iront pas. Ouais. Ils seront pas à côté d'eux, ça va pas les perturber. Ouais. Ou t'as raison. Ouais. Voilà. Oui. Oh, bah. Faudrait mieux ouais. Aller là-bas que. Ouais. Bon, on verra ça, hein. Et puis bah voilà quoi. Notre petite sortie du mercredi matin. Mais quand je suis en vacances, j'aime bien y aller. Voilà. Bon, j'achète pas grand chose normalement. Mais là, j'y allais pour les poules. Quoi? Ah, tu veux tes lunettes. Bon ben, allez, c'est parti. Bye bye.
8 ans, j'ai fini toute ma pièce. Yes! Un truc de fée. Coucou. Alors, on n'est pas du tout le matin. On est en plein après-midi. Il est, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, 14h50. Je viens de me faire une sieste d'une heure. Et ben, je peux vous dire que ça fait super du bien. Parce que j'avais une migraine. Oh, mon Dieu, à vomir. Une migraine à vomir. Donc, je me suis dit, quitte à avoir vraiment mal, je vais aller me coucher. Et j'ai été dormir une heure. Et là, franchement, ça fait du bien. Avec un petit chat à côté. Et une migraine. Waouh! Et là, ça va un tout petit peu mieux. Franchement, eh ben, ça m'a fait du bien. Ouh. Une petite sieste. Et après, ça repart à vélo. On est reparti à vélo. Bon, la tête, c'est pas encore ça. Mais ça va mieux. On va prendre un bon bol d'air. Et puis, ça va aller mieux. Allez, c'est parti. Coucou, on est samedi. Alors, cette semaine, je suis pas trop cousue, comme vous avez pu le constater. J'ai commencé hier soir, si je vous ai pas filmé. Non, hier soir, j'ai pas fait. Non, c'était commencer à tourner le tuto de mon sweat de Fais ma couture. Donc, vous aurez un tuto quand il sera fini. Voilà, de mes étapes de montage. Donc aujourd'hui, c'est pareil, je pense que je ne vais pas coudre. Parce que bon, ma semaine de vacances, voilà, après j'ai profité de mes enfants aussi, hein, c'était le but des vacances, hein, voilà. Le but des vacances, c'est de profiter de ses enfants. Donc on a fait pas mal de choses, on a fait pas mal de vélo, voilà. Pas mal de sorties, et puis de sorties. Pas des grosses sorties, hein, mais voilà, c'est se balader. Donc voilà, donc aujourd'hui on est samedi, donc je vais peut-être pas trop coudre, je pense, peut-être ce soir, on verra. On verra ce soir. Parce que. Alors, je vais. Voilà, ça va être mieux. parce que cet après-midi, on va aller voir pour un vélo chez un particulier. Parce qu'on a été à Décathlon hier matin. C'est une honte. Une honte, Décathlon. Je suis désolée, mais c'est une honte. Ils vendent des vélos d'occasion. Franchement, le vélo, les deux pneus, ils étaient lisses. Ça change de... Bref. Les deux pneus étaient lisses. La selle était fendue. Les guidons, le plastique, il collait. Et tout le côté était mangé. Et ils vendent ça 110 euros. Pardon, 110 euros. Alors qu'un neuf... Ça coûte 120 euros, 140 euros. Non mais, je lui dis, non mais vous rigolez là. Je lui dis, c'est une honte. Hein. Au gars, je lui dis, écoutez, franchement, c'est une honte. Vous vendez un vélo 110 balles qui a plein de trucs encore à changer. Non mais, c'est du n'importe quoi là quand même. Ça fait des changements de... Bon bref. Je lui dis, c'est une honte. Une honte ce que vous vendez. Bah, il me dit, vous en voulez combien? Ah bah, je dis là, vu dans l'état qu'il est le machin, je pense que 60 balles... Ah bah non, madame, bah attendez, vous rigolez là. Non mais vous rigolez quoi, pour 30 euros de plus j'en ai un neuf. Non mais n'importe quoi quoi. Puis les autres, il y en avait qui étaient, tout le guidon était rouillé. Non mais n'importe quoi, ils vendent ça, non mais. Bref, c'est une honte. Alors j'ai dit, bah vous savez quoi, je dis sur le bon coin, j'en trouverai mieux et moins cher. Donc là on va en voir un qui est à côté de chez nous en plus. Voilà. Qui est à côté de chez nous, 70 balles, qui est très très bien. Donc on va aller voir si on peut laisser pour l'essayer et puis voir. Et puis sinon, on l'embarque. Voilà, donc mon après-midi. Et puis après, je vais chez une copine pour voir un petit peu mon futur. Voilà, parce qu'elle est déjà dans l'entrepreneuriat, alors moi aussi, mais dans l'entrepreneuriat un peu plus gros. Donc je vais aller voir ça. Et c'est pareil, c'est... copine habite à 2 km de chez moi, donc je vais aller la voir cet après-midi. Puis je vais me faire payer un café, hein.
Et voilà, donc mon après-midi déjà, ça va être vite fait. Et il y a un vent de dingue, mais de dingue chez nous. On a été vite fait aussi faire du vélo ce matin. Je pense que je vais me choper une otite. Voilà, parce que le vent, eh ben, ça m'a fait trop trop mal aux oreilles. Bref, hashtag ma vie. Donc je pense que je vais vous laisser là pour cette semaine de vlog, qui a peut-être pas été très passionnante, hein, mais voilà, hein, j'ai des fois une vie pas très passionnante, mais on a fait plein de choses et j'étais contente parce que cette semaine, il a fait un temps magnifique et on a pu sortir, on a fait plein de trucs, on s'est aéré et j'ai trouvé que cette semaine était trop cool. Voilà. Je me suis malgré tout reposée, malgré mes petites migraines, voilà. Mais bon, ça fait partie de ma vie, hein, je le sais. Mais bon, j'ai quand même avancé. Et voilà. Et puis voilà. Ma tante hier s'est fait percuter par une voiture. Donc bon, rien de grave. Si, quand même, parce qu'elle va se repérer du genou demain matin. Voilà, elle est passée au passage piéton. Une voiture, elle ne regardait pas. Elle a regardé à gauche, elle a passé à droite. Percutée par une voiture. Alors, il ne roulait pas vite parce que c'était en ville, mais bon, quand même. Alors, a priori, la dame a aucun remords. Sympathique, hein, la vie, les gens de maintenant, voilà. Non, elle a dit, oh, ben, je croyais que vous étiez rentré chez vous, moi, après les pompiers. Bon, non. Là, comment vous dire que elle va se faire opérer. Et puis, elle a 2 mois d'alitement. Voilà, 2 mois sans bouger, sans mettre le pied par terre. C'est le genou qui a traqué. Non, vous n'avez pas été de ma mort, ma petite dame. Donc, soyez au moins, voilà, je sais pas, dites au moins pardon, c'est la moindre des choses, quoi. Voilà. Le pardon, non, je sais pas. Bref, a priori, elle n'est pas très. Voilà, elle n'a pas de remords, la petite dame. C'est bien malheureux. Bref, donc bon, ça aurait pu être plus grave, hein. Comme je lui ai dit, je lui ai dit, ça aurait pu être plus grave, t'aurais pu, la tête aurait pu. Voilà. C'est le genou, c'est 2 mois dans ta vie, donc c'est une parenthèse dans ta vie. Alors ça la fait chier parce qu'évidemment, elle allait bosser en plus. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Ça aurait pu être plus grave. Il y a des choses, voilà. Mais bon, c'est chiant, voilà. Puis surtout quand il y a une dame qui n'est pas réceptive à le bout, puis qui est pas, qui donne pas son pardon. C'est pas cool, je trouve. Bref, j'ai donc, suite à mon dernier vlog, je vous avais demandé quel nom, quel prénom vous souhaitiez m'aider à trouver un nom pour ma nouvelle machine. Et donc, je vais contacter ceux qui ont donné ce nom. Parce qu'il y en a deux. Bon, c'est la deuxième, j'ai trouvé son. Comment dire? Le texte qu'elle m'a apporté avec. J'ai trouvé ça trop beau. Donc, du coup, voilà. Il y en aura deux gagnantes. Et le nom, ils ont donné Fantasia. Et je trouve que voilà. Les fantaisies de Lodi, ça me correspond. Donc, voilà. Fantasia. Et je trouve ça cool, je trouve ça beau. Donc elle s'appellera Fantasia. Voilà. Donc les deux qui m'ont donné ce nom, eh ben je vous contacterai. Et puis on verra ensemble ce que vous allez avoir. Voilà. Donc sur ce, cette fois-ci, je vous dis à très vite dans un prochain vlog, dans un prochain tuto, podcast, plein de choses. Voilà. Et puis ben, à la semaine prochaine, hein? N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter surtout parce que j'adore ça. Puis j'adore vous répondre, j'adore ce que vous me dites, j'adore. Et puis ben, n'oubliez pas que de vous abonner, hein? D'activer la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt.